Without borders, and we have left the littoral region and we are now in the southwest region of Cameroon, precisely in the OPEC city, the city of friendship, still in Limbe. We have been cruising town since Friday, and today we have made a stopover at the Musango Beach Hotel, where we have been well received. Right now we are at the reception and I want to talk with the beautiful ladies we see at the reception. Hello. Hello. Good afternoon. So this is the program Cuisines. It's the number one cooking show program that you have online. You can find us on YouTube, on Facebook, on Instagram. It's the only TV in Cameroon that is operating online. Yes. And so we decided to visit your kitchen, Musango Beach Hotel kitchen, and you are at the reception. So tell us, if I'm so hungry like I am right now, what can I eat? Okay, Musango Beach Hotel does the African dishes and the European dishes. So on the menu for today, we have chicken and fish. That's fresh fish, it's very fresh, direct from the sea, fresh bar fish. So it's either grilled or fried. That's what we do. That's the menu for today. Okay, that notwithstanding, we are going to move over to the kitchen to meet the chef. I'm sure there's always a main chef of the day, and he's going to show us how well he can do a grilled chicken and grilled fish. That's grilled fish, that's what we are going for. And I'm still your host, Larinette Apaje Abongwa, on the program Cuisines. Can't wait, moving straight away to the kitchen. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est le poulet grillé à la mode. D'accord. Ça veut dire, quand on dit à la mode, ça veut dire le système du chef qui veut travailler ce poulet. Pour avoir bien l'assaisonnement à l'intérieur de son poulet, j'ouvre mon poulet au niveau de la chair, oui, pour que ça prenne bien l'assaisonnement, parce que ça ne va pas passer à la poêle. Sauf si je veux pour que ça avance la cuisson. Mm-hmm. Ok. Dans ce cas, quand j'ouvre le poulet, je commence par le sel. On ne prend pas beaucoup, juste un peu de pincée. Parce qu'à nos jours, on ne consomme plus assez de sel. Too much salt, it's not good for the health. Right. Ensuite, ça c'est le poivre blanc. Ok, white pepper. White pepper. Ça vient de Njombe Pinja. Une Njombe Pinja, ça c'est naturel. Because I know we have best quality white pepper from Njombe Pinja. Mm-hmm. Déjà écrasé. Déjà écrasé, mon. On a mélangé avec quelque chose. Non, naturel. D'accord. Ok. Ça, c'est le poivre blanc. Maintenant, j'avance avec les rondelles. Okay. Rondelles, ce qu'on appelle contre-oignon. Contre-oignon. Voilà. Ça sent bon déjà. Merci. L'assaisonnement, c'est bon. Ça, c'est une épice. Oui, oui, importée venant des États-Unis. Ah, d'accord. Spécialement pour poulet. Ok. Poulet, si vous testez, vous allez voir que ça sent rien que poulet. Oui. Il y a some salt too. Et un peu de sel. Oui, un peu de sel dedans. Un peu seulement. Et pour votre secret de la cuisine, ça, c'est ce qu'on appelle le nourmet. C'est ah, ça. Okay. Appelle, oui. Ça va très bien avec le parfum du poulet. Oh, it's my first time of hearing. Oui, ça va très bien avec le parfum du poulet. Vous faites votre poulet grillé à la mode, ou bien vous faites votre poulet, même sur le poulet rôti. Vous râpez juste un peu, vous mettez dedans la faveur. The la flavor. Oui, et it's la. It's good with gâteau, even pancake, les crêpes. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ça. Oui. Comment utilisez-vous le mayo? Bon, mayo, c'est parce que c'est une huile qui a moins de cholestérol. Ça, l'absence du cholestérol. Et vous savez, le cholestérol est un élément très néfaste à nos jours dans l'organisme.
plein de maladies que nous avons maintenant est dû au cholestérol. Cholestérol. So oui. Limited cholesterol is good for the health. That's why you prefer mayo. Oui. Okay. Voilà. Does it add to the flavor of the chicken? Oui. Ça ajoute le goût. Ça ajoute le goût. Vous allez bien voir. Toujours le poulet. Poulet poisson. Voilà. Lorsque vous mettez, vous voulez faire griller soit du poisson, du poulet ou de la viande. C'est un gris professionnel. Oui, je vois. Oui, ça c'est un gris professionnel. Ça remplace quand on fait gris un aliment. Sur ce genre de gris, on a textuellement la saveur du gris du charbon, de bois. Ah, ok. Le riz avait déjà été cuit à l'avance. On va seulement réchauffer. Et je passe le réchauffement. Oui. Maintenant, pendant que le poulet est en train de griller, on passe à la. Ok. La tomate. Parce que maintenant, pour rendre ma sauce bien naturelle et fraîche, on met du coulis parce que nous appelons ça. Nous appelons ça vulgairement, ça c'est un langage. C'est la tomate écrasée. La tomate écrasée bouillie. D'accord. Donc, généralement j'utilise ça parce que ça c'est naturel. C'est rien que tomate écrasée avec un peu d'oignon, un peu d'ail. Parce que vous pouvez prendre rien que ça, vous passez au feu, vous mettez juste un peu d'huile, un peu de sel, c'est fini. Bon. Ok. Comme je vais encore la rendre encore un peu plus, on met un peu de tomate fraîche. Ok. On met ça de côté. Et le poulet là, ça peut faire combien de minutes? Dans 14 minutes. Okay. Mais quand vous voulez que ça cuise jusqu'à l'os, ça va jusqu'à 20 à 25 minutes. So ça dépend du choix des clients. Oui, ça dépend du choix des clients. Leeks, I heard that this is very nice for stew. Oui, madame. Très important. Surtout encore avec son parfum. Parce que ça a un parfum spécial. Oui. Et je vais un peu vous expliquer. Le parfum de la partie blanche n'a pas le même parfum avec le parfum de la partie verte. Yes, madame. Vous voyez comment déjà, même quand vous prenez comme ça, si vous passez même dans la poêle, pour faire cuire encore, les traces là ne vont pas se perdre. Et quand le client mange, il ressent une odeur naturelle. Oui. On ajoute un peu de mayo encore. Oui, un peu de mayo. Nous commençons toujours par les oignons. Parce que l'oignon est un élément que quand ça entre dans l'huile, ça donne un parfum à l'huile. C'est ça qui fait que notre sauce a souvent, généralement, le bon goût. Je peux faire monter une sauce avec une réalisation par rapport à la procédure. Vous montez la même sauce en écrasant tout, vous versez dans l'huile. C'est la même sauce, mais ça n'a pas le même goût. That's true. Voilà. Cooking is a procedure. Yes, madame. Okay. Et entre-temps, ça, c'est un élément qui apporte aussi la saveur, le goût, le parfum. N'oubliez pas toujours de mettre dedans. Même si ça ne dure pas, c'est déjà lavé, même si ça ne dure pas. Et généralement, vous verrez d'autres gens mettre que dans l'huile, griller avec l'huile avant de ressortir. Donc, c'est toujours la même chose. Tout sera en une percée. Comme. Even that in the stew. Yeah. Tu mets même ça. Oui, madame. Okay.
Maintenant, je vais mettre ça. The chicken is almost ready. Okay. Voilà. Vous pouvez goûter déjà? Ah, ok. Mmh. Hein? Nice. Ok, thank you. Madame. Lorsque j'applique, oui, quand je fais ça, je vois si l'eau sort avec du sang. Je sens que l'intérieur n'est pas cuit. Voilà. C'est vraiment un professionnel. Voilà. Vous voyez, quand c'est cuit, le sang ne sort plus. C'est bien cuit déjà. Ça, c'est déjà bien mangeable, vous voyez. Parce que si ce n'était pas encore cuit, lorsque vous faites comme ça là, c'est l'eau avec du sang qui sort. Vous voyez un peu. C'est l'eau avec du sang qui sort. C'est bon avec la sauce. Maintenant, vous savez généralement. But I didn't see you at the cube. Vous savez déjà mis. Je n'ai pas encore mis. Okay. C'est ce que je vais vous expliquer. D'accord. Voilà. Vous savez généralement, le feu, c'est un élément qui cuit tout. Quand quelqu'un vous demande de ressentir une épice ou un assaisonnement dans son repas, vous lui mettez soit à l'avance, mais sachant qu'à l'avance, à la dernière minute, vous allez en commettre. De préférence, vous attendez la dernière minute quand vous voulez servir. À moins de 5 minutes ou 2 minutes que vous allez servir, vous mettez, vous passez encore feu. Maintenant, c'est bon. Quand je vais vouloir servir, quand je vais commencer à servir du riz, je vais mettre un peu de cube, je mets du feu. Ça chauffe juste un peu. Juste un peu. Oui, pour qu'il ressente ce qu'il a demandé dans sa bouche. Okay. Oui. Our plate of perfumed rice and grilled chicken plus a sauce is ready and has been made for us by our chef. But we know that this meal definitely has some health benefits. Quels sont les bénéfices santé qu'on a sur ce plat de nourriture que tu as fait? Ce plat que nous avons réalisé aujourd'hui, nous avons le bénéfice de protéines. Ça, c'est vraiment riche en protéines, en calcium. Parce que ces protéines, nous n'avons pas mis assez d'huile. Nous avons plus des ingrédients naturels. Par exemple, dans notre sauce, tout ce qui est entré dans notre sauce est naturel. Notre riz est naturel. Notre poulet a été gris naturellement. Ce n'est pas le gris de la poêle. Ça, c'est le gris du feu. Nous avons un gris professionnel qui donne du parfum du charbon de bois. Okay. Ça veut dire que toute richesse nutritionnelle que l'on peut avoir dans un plat, nous aurons ici là. We are not going yet. The program Cuisines on Travel TV channel still continues and we are downtown in Limbe. So this is not just what we are having today. I think we, the chef, we are going to look at how to prepare fresh fish. Yes, but that notwithstanding, we'll take a short break and we'll be back. Nous allons commencer, nous allons réaliser une sauce lyonnaise. La sauce lyonnaise, c'est une sauce très simple qui ne prend pas trop d'ingrédients. Donc vous allez voir, sur ma mise en place, je n'ai que poireau et quelques tranches de tomates, juste pour casser la couleur. Voilà. On y met un peu de... On n'oublie pas toujours notre huile Mayor, sans cholestérol. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'huile ne chauffe pas. On commence par les oignons. Nos oignons qui sont déjà assaisonnés. Après avoir remué les oignons, on laisse mijoter juste un peu, quelques minutes, avant de continuer. Nous continuons avec du poireau que nous allons mixer de parfum avec les oignons. Là, en ce moment, c'est facultatif, ça veut dire que c'est volontaire. On peut mettre du thym, rien que qui est rien que thym,
lorsque vous écrasez l'ail, quand ça passe directement au feu, ça perd toutes ses valeurs. Ce qui le parfum ne dure pas longtemps. Parfois, quand vous commencez à manger, ça n'a plus de goût. Mais quand vous hachez, ça veut dire, quand vous hachez comme ça là, quand vous versez dans la marmite, un, ça a un design. De deux, ça maintient le parfum pour une longue durée. Mijoter juste un peu. Normalement, cette sauce que nous réalisons, elle est généralement une sauce de décoration. Parce que c'est une sauce qui n'a pas assez de jus. Elle est présente bien lorsque vous mettez, par exemple, vous mettez sur un aliment, généralement le poisson, très bien, et du poulet grillé. Ça, c'est le poisson bar fish, qui sort directement de la mer. Vous savez, ce qui fait la fierté de la vie de Limbé, c'est la mer. Et la mer, c'est le poisson. That's why I say we cannot be in the town of Limbé without eating fish. Uh-huh. That's why when we got to the kitchen of Musango Beach Hotel, we told the chef, avant de commencer tout, il faut continuer à faire le poisson. Effectivement. On ne peut pas être à Limbé sans manger le poisson. C'est ça qu'on va commencer comme ça. Okay. Et nous avons plusieurs façons de bien laver le poisson, surtout le poisson de mer. Lorsque vous voulez que votre poisson soit bien propre, toujours laver et rincer avec du sel. Tout produit d'eau douce, tout ce que vous allez manger et qui vient de l'eau, le citron doit intervenir pour empêcher le mal de ventre. Parce que d'autres gens ont un gastrite compliqué. Oui. Quand vous cisaillez ainsi, ça fait que quand vous allez mettre, soit d'abord en y pressant du citron, ça passe jusqu'à l'intérieur. Nous passons à l'assaisonnement de notre poisson. Nous avons d'abord besoin toujours du sel. Okay. Du poivre blanc. Merci, madame. As you have heard from my chef, it is always very important to make sure that you wash your fresh fish with salt and lemon. That will enable whatever disease or whatever thing that has to do with the fish to keep it so clean. So it's very important that before you eat fresh fish directly from the sea, always make sure that you wash it. We are now having our fish on the grill, and in a few minutes the fish will be ready for all of us to serve. So we'll leave you, chef. Je vais te laisser pour le moment de round up. Ok, d'accord. Et on va attendre le produit final. Ok, y a pas de souci. Sur le plat pour déguster. Y a pas de souci. Et donner notre feedback. Oui, vous en aurez ça autour dans 7 minutes, 7 à 10 minutes. D'accord. C'est prêt. D'accord. Ok. Parce que nous avons un four, nous avons un grill professionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Okay. On attend alors dans le restaurant. D'accord, madame. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. It's really delicious. Alright, this is the grilled fish that we did back there in the kitchen. I'm sure you saw us doing it from the beginning. And now this is the final product. So I'm going to taste and then I give you feedback. This is really good. I want to call the entire crew that took part in the cooking. Chef, please, could you join me? I want to say that your meal is really, really delicious. J'ai passé vraiment un très bon moment avec vous. Voici toute l'équipe qui ont travaillé dur dans la cuisine pour assurer qu'on a cette plat délicieuse. We did grilled fish, grilled chicken, fried plantains, some boiled rice, and you can see that everything came out so perfectly well. This is the entire staff of the kitchen staff of Musango Beach Hotel, and we had a great time with them here in Limbé. Merci beaucoup, chef. I really enjoyed myself. Thank you all very much. And that's how we saw it at the end of the show, Cuisines on Travel TV channel. Please don't forget to subscribe on our channel. You have a Travel TV channel on YouTube, on Facebook, the same name on Instagram, the same name on Twitter, the same name. But if you want to watch us directly from our website, it's www.tvtravelchannel.com. And I've been your host, Larinette Apaje Abongwa. And from the entire crew, we say thank you very much as we sign out from the OPEC city, the city of friendship, Limbé. Bye-bye. Bye. Thank you for watching.
Don't forget to subscribe, like, comment, share and click on the bell icon to get notification on our latest update. I'm